Eh bien bonjour à tous, c'est The Fin Moment, on vous retrouve pour l'épisode 7 de la tier suivi sur la campaign of France. Du coup aujourd'hui comme dit on se retrouve pour le 7ème épisode, donc dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va faire? On va partir déchaumer quelques champs, les 3 champs en fait qu'il y a déchaumé tout simplement, je vais juste remettre la TH, voilà. Donc on va déchaumer les 3 champs qu'il y a déchaumé, et puis également il faut que j'aille faire un truc avant de partir déchaumer. Voilà, c'est rentrer les ballots. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai ramassé tous les ballots de paille, donc j'ai fait ça avec le godet. J'appelle ça le godet à fumier perso, mais ouais voilà, j'ai fait ça avec ce godet. C'était pas facile, je peux vous assurer que c'était pas facile. Mais en tout cas, c'est plutôt propre, hein. Je suis plutôt content du résultat. Enfin bref, bon, du coup, il va falloir que je rentre tout ça à la ferme. Donc bon, je voulais vous faire ça en vidéo à la base, mais au final je me suis dit que c'était pas si intéressant parce que tout simplement je ne parlais pas du tout, voilà, j'étais concentré dans ce que je voulais faire. Et du coup c'est pour ça que je crois que c'est pour ça que j'ai bien réussi, c'est parce que j'étais concentré dans ce que je faisais, mais bon. Du coup je me suis dit que vu que je ne parlais pas, c'était un petit peu bête de le faire en vidéo, mais bon. Voilà quoi. Et du coup voilà, donc pour l'instant j'ai seulement ramassé les ballots de paille, il me reste encore les ballots de foin à ramasser, voilà, comme vous pouvez voir là dans les champs là, enfin dans les prairies, ou comme vous voulez. Il me reste juste les ballots de foin à ramasser, puis on va pouvoir commencer les vaches. Enfin il va falloir que je me fasse un petit peu d'argent avant, mais on va bientôt pouvoir commencer les vaches, donc d'ici 2-3 épisodes on va pouvoir commencer les vaches. Bon bien évidemment on commence avec pas beaucoup de vaches, hein, une petite dizaine ce serait déjà pas mal, faudrait déjà pouvoir les acheter. Tout simplement, et également faudrait que je réussisse à m'acheter une mélangeuse. Donc ouais, ça va être ça va encore peut-être un... Oh là là, la physique de merde des ballots sur farming, c'est impressionnant, voilà, les ballots ils s'envolent encore. Ça c'est un truc, ça m'agace, mais bon. Mais on va faire avec, hein, écoute, c'est comme ça, hein, la physique des ballots est nulle à chier, elle est nulle à chier. Voilà, regardez, comme vous pouvez voir, les ballots s'envolent. Et encore, c'est pas comme au début de farming où vraiment c'était la catastrophe. Mais bon, comme vous pouvez voir, ça s'envole quand même, c'est chiant. Enfin bref. Alors, du coup, le tracteur on va le garer ici. Parfait, voilà, on va baisser le champ frontal. Donc là, je sais pas, je crois que là c'est pour le lait, non? Il va y avoir qui est fresh milk, ouais. Pour des raisons d'hygiène, pour des raisons d'hygiène, garder cette porte fermée. Ah d'accord, ok. ça me tue de rire parce que, genre, je voulais juste essayer, voir si je pouvais l'ouvrir, et puis bah non, et puis bah ils mettent ça. Ce qui est génial, hein, très clairement. Et également, je sais pas si je l'ai montré ou pas, mais la salle de traite, je l'adore. La salle de traite. La scène de traite vraiment je l'adore, voilà, avec le fait que bah ici tu puisses rentrer dedans, etc. Tu vois vraiment tout, en fait c'est vraiment une vraie salle de traite quoi, et vraiment je trouve ça super beau. Parce que ce n'est pas sur toutes les maps, voilà, c'est pas sur toutes les maps que ça existe ce truc. J'arrive plus à sortir, bon, au revoir. Allez, is. Voilà. Parfait. Du coup, ouais, là c'est pour... Ouais, c'est bien ce que je me disais, je me suis dit, attends, si on peut pas ouvrir la porte là-bas, comment on fait pour les nourrir, mais on peut ouvrir cette porte là. Enfin bref. Du coup, on va partir déchaumer, oui, on va partir déchaumer, donc on va partir déchaumer les 3 champs qu'il y a à déchaumer. Voilà, hop, et on lève tout ça. Parfait. Et également, oula, également, je tiens à préciser quelque chose, il n'y aura plus de vidéos sur la Isle of Slovenia. Voilà, je vous ai demandé d'ailleurs sur le live de hier soir, parce que là on est vendredi matin à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Et du coup jeudi soir j'ai fait un live qui a pratiquement duré 2 heures. Donc ouais c'était relativement long. C'était bien par contre, c'était long mais bien. Et, mais du coup ouais, j'ai fait un live, je suis en train de me dire ce serait peut-être plus intelligent de directement mettre un petit coup de chaud en fait. Changement de plan, on va mettre de la chaud. Et voilà, on va mettre de la chaud parce que du coup y en a besoin, hein, de la chaud, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que je peux mettre une station pour la chaux? Alors déjà, est-ce que mon épandeur à engrais, il prend la chaux ou pas? Déjà, pour commencer, s'il prend pas, c'est mort, hein, très clairement, voilà, c'est bon, il prend la chaux. Je crois que c'est dans divers. Je sais pas où c'est... Solid Lime Station, ouais. 5000 euros, ça fait cher, mais ça peut être pratique quand même. Dans ce cas-là, je le foutrais bien ici. Non, c'est quelle touche? C'est cette touche-là. Je m'en sers tellement souvent du... des trucs plaçables là sur farming que je ne sais même pas les touches. Enfin bref. Par deux. Parfait. Bon, on va remettre un petit peu de verre autour. Hein, quand même, ça fera un petit peu plus beau. Du coup, c'était X. Et puis après, c'était l'herbe qu'il me fallait. Voilà. Puis on va rétrécir tout ça, donc bon, je mets un petit peu d'herbe histoire que ça fasse un petit peu plus beau, on va dire. Voilà. Parfait. Bon,
au moins ça c'est placé, c'est propre, hein. Écoute, bon bah du coup on va mettre de la chaux vite fait sur les champs. On va vite fait mettre de la chaux sur, bah, sur les, soit sur deux champs, soit sur les trois. Faut juste que je regarde si du coup tous les trois champs ont besoin. Ouais, parce que du coup j'avais pas pensé à ça, c'est où? C'est là-dedans. Ouais, bon, les trois champs ont besoin de chaux, donc bon, bah écoutez, on va épandre de la chaux. J'ai limite envie de te dire, on prend le... Ouais, on va prendre le Renault, là, le petit Renault, ouais. Voilà, bon, le tracteur, je le laisse comme ça. On va prendre le Renault, parce que c'est quand même... Je crois qu'il est plus adapté, hein, pour faire ce boulot-là. Alors, par contre, j'ai juste... Voilà, détaché la masse avec le plateau. Voilà, parce que du coup, j'ai pas besoin de la masse. Mais je vais en avoir besoin pour décharger le plateau, du coup, hop, je le laisse devant le plateau. Parfait. Voilà, donc bon, petit changement de plan, enfin de planning plutôt, et puis peut-être que du coup on pourra faire plusieurs activités dans cette vidéo-là, qui sait. Bah vous du coup, mais ouais, vous pouvez le savoir parce que bah vous pouvez avancer dans la vidéo, mais moi je ne sais pas encore. Voilà, vas-y, recule. Alors, il y a de l'engrais, est-ce qu'on peut le vider? Yes. Parce que je crois que, je sais plus pourquoi, mais genre avec les... Bah parfait. Mais avec les pulvées, perso, j'arrive plus à les vider. Les pulvées, j'arrive plus à les vider, je sais pas pourquoi. C'est bête, mais j'arrive plus, tout simplement. Mais bon, hop, et voilà. Alors, ça va me coûter cher, probablement. 269 euros par chargement, ça va me coûter cher, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, si ça peut augmenter le rendement, écoute, on va pas chercher midi à 14h, on va le faire, et puis c'est tout, hein, écoute, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Parfait. Voilà, vas-y recule, mais bon, du coup, je sais pas si je vais avoir assez d'argent pour en foutre partout. J'espère que oui, mais je ne suis pas sûr, vu à la vitesse à laquelle ça part. Ouais, je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. Enfin bref, donc sinon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et d'ailleurs, oui, j'étais en train de parler justement du fait que j'ai arrêté la Hills of Slovenia. J'en étais à là où je me suis arrêté là, de mémoire, je me suis arrêté là. J'arrête la Hills of Slovenia parce que, tout simplement, j'ai commencé, comme vous avez pu le voir hier, une série sur la campagne Breton V2. Et bah, cette map-là, en fait, c'est vraiment une map, je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Hein, très clairement, j'aime cette map, vraiment, je sais pas pourquoi, mais je l'aime, la campagne Breton V2. Et, oula, voilà. Et du coup, bah, tout simplement, il fallait que j'arrête une autre série parce que 4 séries, c'était trop. Enfin, limite 5, parce que j'ai aussi la série multijoueur que je fais le lundi soir. Du coup, 5 séries, limite. Limite 5 séries. C'était trop, tout simplement, je trouvais ça juste trop. Du coup, bah, j'ai dit, il faut que j'en arrête une des deux autres séries, parce que la série sur la Greenwich, comme dit, je ne l'arrêterai pas. Tout simplement, je ne l'arrêterai pas, c'est une série qui me tient beaucoup trop à cœur. C'est vraiment une série que j'adore faire et que apparemment vous plaît aussi pas mal, donc tant mieux, écoutez. Et c'est un truc totalement différent que je n'avais jamais l'habitude de faire. Du coup voilà, donc la Greenwich, je n'avais pas l'arrêter, puis bah, la campagne Breton non plus, parce que bah, je la commence, donc je vais pas l'arrêter alors que je la commence. Mais du coup c'était soit entre cette série là, donc la Campaign of France, soit bah, la Hills of Slovenia que je devais arrêter. Et puis bah, du coup j'ai demandé dans le live, parce que moi perso j'adore les deux maps, hein, très clairement j'adore les deux maps, celle-là et puis l'autre. Et bah, du coup j'ai demandé, et puis bah, vous aviez dit que vous préférez cette série là, du coup j'ai arrêté l'autre série. Donc bon bah voilà pourquoi j'arrête l'autre série, tout simplement. Et puis bah, je continue sur cette série là, et également c'est limite bien, je crois que si c'était à moi de choisir, enfin si genre personne n'aurait répondu sur le live ou quoi que ce soit, ou alors si c'était indécis, on va dire, je crois que j'aurais arrêté la Hills of Slovenia pour la simple et bonne raison que sur la Hills of Slovenia j'ai triché sur l'argent, sur la campagne bretonne j'ai également triché sur l'argent, et pas sur celle-ci. Du coup bah ça pourrait tout simplement faire une autre série, c'est-à-dire que j'ai une série cheatée, une série genre full RP limite, enfin full RP, semi-RP moi je dis, et une série sur laquelle j'ai pas triché sur l'argent, qui est celle-ci tout simplement. Voilà, voilà, et également, maintenant que j'y pense, c'est que je me dis que j'ai pas triché sur l'argent, mais en fait, on a déjà pas mal de matos, hein, en vrai. On a les faucheuses, on a pratiquement tout, quoi, c'est vraiment, ça a avancé plutôt vite, hein. Franchement, j'ai même pas fait attention. Enfin, bref, on va bientôt commencer les animaux, en plus, c'est parfait. Mais du coup, ouais, c'est juste pour ça, en fait, hein, tout simplement, que j'arrête la Hills of Slovenia. Mais bon, même si c'est vrai que d'après les statistiques, je sais que genre d'après les statistiques, la Hills of Slovenia vous plaît plus que la Campaign of France. Mais le problème c'est que j'ai pas envie de me baser sur des statistiques en fait. Parce que tout simplement, par moment, tu vois, c'est pas forcément des gens qui sont abonnés à la chaîne qui vont regarder les vidéos et qui du coup vont que regarder certaines de ces vidéos là, tu vois ce que je veux dire. C'est pas des personnes qui vont regarder la plupart des vidéos. Donc
Je sais pas comment m'expliquer, mais j'ai du mal à me fier aux statistiques. Je préfère vous demander directement. Et le fait que bah, j'étais en live, pour moi, c'était la parfaite occasion pour vous le demander. Et du coup, bah, je vous l'ai demandé. Et puis, vous avez choisi de... Ouais. Vous avez choisi cette map-là au-dessus de la Hills of Slovenia. Et puis, voilà. Voilà. Du coup, c'est la petite histoire de ce qui s'est passé durant... Merde. J'appuie sur la mauvaise touche. J'appuie sur la mauvaise touche, fais chier. Est-ce que je peux remonter, non? Yes. Parfait. J'avais su. Bon, j'avais appuyé sur une mauvaise touche, mais bon, c'est pas grave. Je sais, je me suis répété. Bonjour, au revoir. Enfin bref, donc sinon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, ça va nickel. Du coup, c'est la reprise des vidéos. Là, pendant au moins une semaine et demie, du coup, de jeudi soir à au moins dimanche prochain. Tout simplement parce qu'après, j'ai une semaine de vacances. Voilà, après, j'ai une semaine de vacances, donc je vais pas pouvoir tourner ni rien. Donc ça va encore être toute une histoire, mais je vais essayer de vous tourner quand même quelques vidéos en avance. Je ne sais pas combien, 3 ou 4, grand max. Je vais pas pouvoir vous en sortir une toutes les bah, tous les jours, tout simplement. Parce que bah, c'est impossible de tourner 7 vidéos en avance, de les passer au montage et de les mettre en ligne. Genre 7 ou 8 vidéos en avance, pratiquement impossible. Mais voilà quoi, j'ai pas que ça à faire en fait. Il est là le problème, c'est que j'ai pas que ça à faire, donc ça va être un peu compliqué. Du coup, bah, tout simplement, je vais pas pouvoir vous publier de vidéos pendant une semaine. Enfin, si, je vais vous en publier, mais pas tous les jours, hein, tout simplement. Voilà, je vais vous en tourner 3 ou 4 grand max en avance. Mais pas bien plus que ça, parce que dis, sinon je vais être perdu dans mon organisation, parce que je suis quelqu'un de très désorganisé, on va avoir une occasion. Appelé. Enfin bref. Appelé, voilà. Parfait, bon du coup, enfin parfait. Faut qu'on retourne à la ferme remplir les pendeurs. Et puis bah, une fois que ça sera rempli, on pourra finir d'épandre tout ça. Et puis par la suite, on pourra repartir, on pourra partir déchaumer tout simplement. Parce que du coup là, on a mis de la chaux partout. Alors, exceptionnel, enfin, sauf, j'allais dire à l'exception 2, mais sauf une parcelle qu'il faut encore que je mette de la chaux dessus, c'est la prairie des vaches que j'avais labourée, et j'ai ressemé en herbe, tout simplement, comme ça je pouvais le faucher, hein, tout simplement, voilà, il n'y a pas de secret, hein, et je trouvais que ça faisait plus beau, bon, excusez-moi monsieur, mais hop, vous êtes mort, c'est horrible ce que je viens de dire, mais c'est vrai, du coup, la parcelle d'herbe, que je dois encore mettre de la chaux dessus, parce que, je l'avais labouré pour ressemer de l'herbe, comme ça je pouvais le faucher, et je trouve que ça fait un peu plus beau le fait que bah, l'herbe soit... Il n'y ait pas de trou dans l'herbe en fait, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu vois pas la terre qui est en dessous, là je trouve que ça fait beaucoup plus propre. Donc bien évidemment, je vais vous montrer ça juste après. Hein. Je vais juste remplir le petit éponde d'air. Voilà. Parfait. Je vais juste remplir le petit épandeur. C'est reparti. Voilà, bon là c'est vrai que c'est un petit peu bête de devoir faire des allers-retours comme ça, mais bon, écoute, c'est comme ça, on va pas chercher midi à 14h. Donc la prairie des vaches, je vais la faire une fois que j'ai fini la parcelle un peu plus loin là-bas, là. Ça va être un petit peu plus facile. Alors, est-ce que les champs d'herbe ont besoin? 47, fertilisé, peut-être labouré. Non, pas vraiment, ils n'en ont pas besoin, donc on va en profiter pour ne pas, pour ne pas en mettre, tout simplement. S'ils n'ont pas encore besoin, on ne le fait pas. Ils ont besoin d'être labourés, ouais mais non. J'ai la flemme de les labourer pour le moment. Parce que si c'est pour les labourer et les ressemer en herbe, voilà quoi, tu vois, c'est perte de temps, mais genre fois 1000, tout simplement. Mais bon, enfin je trouve ça un petit peu une perte de temps. Après, chacun son avis, hein, écoutez. Chacun son avis, enfin bref. Mais bon. Et du coup, voilà, on va ramener tout ça. Donc là, normalement, j'en ai assez pour faire, pour faire le champ 16, là, du coup, le champ où on va. Et pour faire la prairie des vaches, normalement j'en ai assez. Alors là je vais louper un petit peu d'herbe, mais bon, hop, c'est pas gênant on va dire. Bon bref, également, c'est marrant, le maïs il vient tout juste de pousser là, parce que tout à l'heure quand on est arrivé, il n'y avait pas encore le maïs qui était élevé. Il y avait juste des mauvaises herbes. Oh je sais plus, enfin bref. Alors là, ne te trompe pas de touche s'il te plaît, non c'est bon. Voilà, parfait. Nickel. Voilà, alors on va finir ce petit bout. Nickel. Bon, du coup, ça c'est fait. Ah merde, c'est pas totalement fait. Là c'est fait, là tout est fait. Enfin bref, bon, du coup, tout ça c'est fait. Et également, faut que... Est-ce que j'ai acheté un Karcher, tu penses? Est-ce que j'en ai un? Merde.
que tu penses que j'ai un Karcher? Je crois pas. Non, j'ai pas de Karcher. Ça, c'est un petit peu problématico, hein, si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où, bah, mon tracteur est dégueulasse et je n'ai pas d'argent pour acheter un nouveau Karcher. C'est... Yes. Ah là là là. Également, ce que j'aimerais bien qu'ils te ressortent sur le 19, parce que je sais qu'ils l'ont sorti sur le 17, parce que je m'en suis beaucoup servi. C'est le Karcher que tu peux attacher derrière une voiture ou derrière un tracteur. Bah en fait c'était comme une petite remorque en fait, hein, un Karcher remorque je l'appelais moi. Et franchement j'aimerais trop qu'il te ressorte sur le 19 parce que c'était franchement c'était un superbe mode. Et il était vachement réaliste parce que tu devais même acheter des produits etc. Oui il y en a qui vont dire ouais c'est pas super réaliste, gna gna. Mais franchement moi je l'aimais bien ce petit mode, hein. Franchement il était sympa. Et franchement j'aimerais bien qu'il me le ressorte sur le 19. Ça pourrait être vachement sympa. Après bon s'ils le font pas, ils ne le font pas, c'est pas gênant non plus tu vois, mais j'aimerais bien, enfin bref. Alors du coup, là je ne sais pas dans quel sens ça ouvre, c'est dans ce sens là nickel. Alors on va éviter de passer totalement à travers les buissons, voilà. À travers les petits c'est pas si gênant. Hop, et voilà. On va cool, c'est parfait. Bon, normalement j'ai assez avec ce que j'ai dans l'épandeur, hein. Donc la parcelle elle est toute petite. Voilà, normalement la parcelle est toute petite, donc ça devrait le faire en théorie, hein, je dis bien en théorie, en toute la théorie de la chose. Voilà, bon ça n'est pas foutu exactement partout partout, mais c'est pas... Hein, on n'y est pas assez près, hein. Tout simplement, on n'en est pas assez près. Également, j'en fous dans les... dans l'abreuvoir des vaches. Je suis désolé les vaches, hein, mais bon, hein. Vous allez avoir de la bouffe grâce à moi, donc vous allez pas râler, hein. C'est bon. Enfin bref. Et voilà, ouais, ça suffit totalement, normalement. Normalement, ça suffit totalement. Yes, ça suffit, c'est parfait. Oui alors là j'ai fait un demi-tour sur place, enfin bref. Hop, et voilà, donc. Hop, et on va refermer le portail. Yes c'est bon. Parfait. Et puis là du coup on va pouvoir reprendre le petit Cars. Le petit 455 que j'adore. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent et puis pourquoi ma voix elle est partie en vrille. Enfin bref, appelé du coup. Le Renault on va le laisser là pour le moment. Donc j'ai rangé les ballots etc. Hors vidéo. Putain, c'est moi ou... Non ça tape même pas, ça tape à peine. Ou alors ça tape juste. Mais bon, du coup on va prendre le petit 1455 que j'adore, hein, très clairement ce mode là il est magnifique ma chérie. Je sais pas pourquoi je dis ça mais c'est pas grave. Mais vraiment ce mode là je l'adore. Et là je suis en train de voir la moissonneuse et j'aimerais bien changer la moissonneuse mais je ne sais pas du tout combien je peux la vendre. 17 000, 40 000, 57 000, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas merde, c'est pas beaucoup parce qu'il y a une petite moissonneuse gender qui est sortie, 6620 ou une connerie du genre, je sais plus exactement combien c'est. 2200, avec 120 000, ça coûte un peu cher, mais franchement cette machine là, elle est majestueuse, franchement je l'adore, elle est super belle. Et également j'ai téléchargé une classe Lexion 600 et des brouettes, je ne la retrouve pas. À moins que je ne l'ai pas mis, ah si, il est là. C'est ces deux-là, normalement. Et franchement, ces machines-là, elles ont l'air d'être magnifiques. Elles ont l'air d'être magnifiques, même en vue intérieure, etc. Elles ont l'air d'être magnifiques, je ne les ai pas encore testées. Mais apparemment, tu peux mettre des chenilles aussi dessus. Ah bah tiens, chenilles. Franchement, ces machines-là sont magnifiques. Hein. Ça me fait penser aux grosses 700, là, mais juste en version plus petite. Bah, c'est limite ça, hein. C'est les 700, mais en plus petit. Autocollant, réfléchissant. Ah, ça, c'est stylé, ça. Oh oui, là je dis oui. Là je dis oui pour les signes de transport, etc. Ça tu vois c'est parfait ça. Ça j'adore. Alors t'as une petite protection et tout, c'est... Ça je dis oui ça tu vois. Là ce genre de mode, des petits détails à la con tu vois, mais c'est genre tellement bien comme détail. Enfin bref, après c'est mon avis personnel bien évidemment. Perso j'adore ces petits modes tu vois, ça ajoute un petit truc. Voilà, c'est juste que ça ajoute un petit truc. Mais bon, appelez, en tout cas nous on est parti pour déchaumer. Merde, si je descends la masse, on va pas réussir à déchaumer, mais si je descends le déchaumeur, je vais y arriver. Hop, et voilà. Parfait. Du coup, également... Voilà, je sais plus ce que vous voulez dire, mais c'est pas bien grave. Je ne sais plus ce que vous voulez dire. Ouais, également, j'aimerais bien, du coup, changer la moissonneuse, mais aussi le déchaumeur, parce qu'il est relativement petit. Hein, enfin, il fait bien son travail pour le moment, mais ça fait un petit peu petit, quand même. Hein, il est quand même relativement petit. Ce qui m'embête un petit peu.
J'en ai un en mode, je crois que j'aime bien, mais il faut que je le retrouve. Ça se trouve, je l'ai là dans mes modes, qui sait. Je vais regarder vite fait. Cultivateur. J'en ai un dans mes modes que j'aime bien. Non, c'est pas celui-là. Je crois l'avoir vu il y a 2 secondes. C'est pas celui-là, je crois que c'est celui-là là. Il n'est qu'en 4 mètres. J'en avais un en 6 mètres, je crois, que j'aimais bien. Ou alors c'était... Ou alors c'était celui-là, je sais plus. Ouais, mais 32 000 euros, c'est quand même relativement cher, hein. On va pas se le cacher. Enfin bref, bon, du coup, c'est pas encore pour le moment, hein. À moins que je prenne l'autre 4 mètres, mais celui-là, attends, celui-là, il est en combien là? Il est en 3 mètres celui-là, sur moi. Ouais, il est en 3 mètres, l'autre il est en 4 mètres. Pour 9 000 euros, t'as un déchaumeur en 4 mètres. Bon, tu vois ce que je veux dire. Également, chose que j'aime bien, hein, petit détail que vous ne savez pas forcément, c'est que... Enfin, que vous savez pas forcément, c'est surtout un petit truc que moi je trouve drôle, limite. Je trouve ça limite drôle. C'est que dans les séries, genre, dans une série normale sur farming, où tu triches pas sur l'argent ou quoi que ce soit, avec 9 000 euros, t'arrives pas loin du tout, tu vois. Genre, tu peux t'acheter un déchaumeur. Là, par exemple, hein, je peux juste m'acheter un déchaumeur. Mais sur la série, là, sur la Greenwich, avec 9 000 euros, je peux faire tellement de choses, c'est impressionnant. Et même si, bah, du coup, on se retrouve maintenant avec 0 euros, parce qu'on a dû rembourser le loyer, etc. Alors, je vais juste faire une petite capture d'écran pour la miniature. Voilà, parfait. Ah non, le baisse ça, s'il te plaît. Mais du coup, ouais, pour... Merde. Pour, sur la Greenwich, tout simplement, avec 9 000 euros, je peux faire tellement de choses. C'est un truc, je crois que personne ne le voit en fait, parce que, bon, déjà il y a une organisation, mais laisse tomber, pour tourner une vidéo sur la Greenwich, la dernière fois j'ai galéré pendant 3 heures pour tourner la vidéo, et j'ai eu pour 3 heures et demie de montage, pour faire une vidéo de 25 minutes. Je fais des vidéos sur farming les gars, hein, et c'est pas vraiment du gros montage non plus, donc pour vous dire à quel point ça prend du temps cette série. Mais en tout cas j'espère que ça vous plaît, donc c'est l'épisode qui est sorti hier, là c'est l'épisode qui est sorti hier. Je ne pense pas que je vais réussir à sortir de vidéos sur la Greenwich pendant les vacances, parce que tout simplement je pense pas avoir le temps de tourner les vidéos. Éventuellement encore une la semaine prochaine, voilà, je pense faire une vidéo par semaine, parce que sinon bah, j'ai pas le temps pour faire 2 vidéos, hein, j'ai pas le temps pour faire tout le montage, l'organisation, etc. Du coup une vidéo par semaine sur la Greenwich c'est pas mal je trouve. Voilà, je trouve quand même que c'est un bon compromis limite. Je vais voir pour plus tard en faire 2 éventuellement. Parce que voilà, ça prend quand même relativement beaucoup de temps. Et bah, je suis déjà beaucoup occupé en ce moment, hein, avec la fac, etc. Mais oui, pour ceux qui disent que à la fac tu fous rien, c'est totalement faux, tu travailles comme un chien pour espérer avoir les moyennes, hein, avoir la moyenne dans toutes les matières. Enfin bref. Du coup ouais. Hop, et voilà. Parfait. Recule. Nickel. Mais bon, du coup, ouais, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, du coup, ouais, pendant les vacances, du coup, il n'y aura que des vidéos sur la, bah, sur cette map-là et sur l'autre map, c'est-à-dire sur, comment ça s'appelle, la campagne bretonne, V2, et sur la campagne of France, tout simplement, parce que bah, c'est des vidéos plutôt faciles à tourner, j'ai envie de te dire. Enfin, il y a quand même une organisation avant, faut quand même savoir ce que tu vas faire, faut que je sache plutôt ce que je vais faire, etc. Faut la tourner, faut la passer au montage, etc. Mais bon. Mais voilà, du coup je crois que jeudi prochain je vais faire un live sur ETS2 pour histoire de changer un petit peu de farming aussi. Et je pense également vous sortir une vidéo sur ETS2 ou sur un autre jeu, Farmers Dynasty aussi également. Aussi également, oui, parle français s'il te plaît. Mais une petite vidéo sur Farmers Dynasty ça peut faire du bien. Sachant que j'avais tourné une vidéo sur Farmers Dynasty, mais comme par magie ça n'a pas fonctionné hein, bien évidemment. Au début il y avait Vegas qui avait planté, du coup bah, à la base je pouvais même pas ouvrir Vegas, j'ai réussi à résoudre ce problème, après je n'arrivais pas à ouvrir, enfin à mettre le fichier vidéo de Farmers Dynasty, la vidéo de Farmers Dynasty sur Vegas, et une fois que j'ai réussi, bah, tout simplement la vidéo elle a disparu partout de mes dossiers, bon, ça m'a un petit peu saoulé, enfin bref, du coup bah, la vidéo s'est supprimée tout seul et j'ai perdu la vidéo, enfin bref, c'est toute une histoire. C'était toute une histoire cette merde. Et du coup bah je dis bah écoute tant pis, peut-être qu'un jour je le ferai en live ou une autre vidéo dessus. Mais bon, c'était une vidéo que j'avais tournée vendredi dernier je crois. Et c'est tout simplement une vidéo pour bah vu que je pouvais pas trop tourner de vidéos sur farming, parce que bah, mon farming ne fonctionnait déjà plus. Et bah j'avais dit je me suis dit bah écoute tant pis, je tourne une vidéo sur Farmers Dynasty et puis c'est tout. Même si au début Farmers Dynasty ne voulait pas fonctionner, hein, je tiens à le préciser. Mais bon. J'ai réussi à le refaire fonctionner et puis c'est tout. Hein. Voilà quoi. En ce moment les jeux qui fonctionnent pas, j'en ai plein. Hein.
J'ai eu ETS 2 qui m'a foutu la merde aussi pendant quelques heures, on va dire, mais j'ai réussi à résoudre le problème. Enfin, c'est surtout mon volant qui foutait la merde sur ETS 2, je sais pas pourquoi, il a toujours bien fonctionné, puis là, d'un coup, il a décidé de déconner, donc bon, hop. Mais bon. Voilà. Parfait. Bon, au moins, on aura fini ce champ-là. Je crois que si on fait ce champ-là et puis l'autre champ, on va déjà avoir pas mal avancé. Voilà, on va déjà avoir pas mal avancé. Du coup, on va faire ces deux champs-là et puis on va s'arrêter là-dessus. Quand je parle de l'autre champ, c'est le champ 3, hein, le petit champ qui est à l'autre côté de la ferme, là. Ça va déjà être pas mal, parce que là, du coup, je suis en train de regarder sur mon écran de gauche, je suis en train de mettre en ligne la vidéo, là, de qui vous avez hier. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, hop, on va juste partir faire les semiers comme ça. Voilà, enfin les semiers, les fourrières, comme vous voulez. Mais du coup, je suis en train de mettre en ligne la vidéo que vous avez eue hier, et puis je vois qu'elle est à 4 traitements effectués à 99%, c'est génial. Mais du coup, je suis en train de me dire, ouais, mais attends, s'il faut que je passe encore cette vidéo-là au montage et que je la mette en ligne pour ce week-end, j'en ai encore pour un petit bout de temps, on va dire, hein, j'en ai encore un petit bout de temps, donc ça va être un peu compliqué, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi je prends une voix bizarre, hein, mais bon. Du coup, si, je vais pas faire une vidéo trop longue non plus, 30-35 minutes grand max pour le coup. Plus tard, bien évidemment, je ferai des vidéos légèrement plus longues, hein, et puis je ferai des lives aussi qui seront beaucoup plus longs, hein, comme par exemple là, celui de jeudi soir. J'allais dire hier soir, mais c'est juste que, du coup, voilà. Également, désolé si j'ai la voix cassée durant toute la vidéo, c'est juste à cause du live de hier soir. Voilà, j'ai parlé pendant 2 heures, à la fin, j'en pouvais plus. Et du coup, là, j'ai la voix un petit peu cassée, mais bon, hop, mais juste deux lettres, K et C. Enfin bref, bon, c'était le jeu de moi de merde à faire. Voilà. Parfait. Nickel. Mais bon, du coup, ouais, je sais plus ce que je racontais comme connerie. Ouais, j'avais la voix cassée, etc. Du coup, ouais, je ferai... Ah, traitement terminé. Bon, la vidéo, elle est prête à être mise en ligne. Bon, il me reste plus qu'à faire la miniature, le titre, la description, tout ça. Enfin bref, le truc classique. Enfin bref, bon, du coup, vous allez avoir votre épisode, ça c'est sûr à 100%. Oui, je parle à moi-même dans la vidéo, tout va bien, bon, au revoir. Ah, mais bon. Appeler du coup, ouais, c'est vrai que du coup, ouais, je ferai des lives qui seront plus d'une heure en termes général, hein, le truc c'est qu'en termes général, quand je fais des lives, hein, tout simplement, quand je fais des lives, je les fais en plus d'une heure, hein, en termes général, une heure ou plus. Bon, là pour le coup, j'avais pratiquement fait 2 heures parce que il y avait pas mal de gens sur le live, etc. Il y avait 5-6 personnes en continu sur le live. Je crois que le record c'est même 10 ou 11 personnes. Il y en a qui vont dire, c'est rien, 11 personnes, mais pour moi c'est énorme en fait, si vous voulez, pour moi c'est énorme. Et en plus de ça, tu vois, c'est pas juste des gens qui passent et puis voilà, tu vois, qui passent, ils regardent et ils disent rien. Parce qu'il y a certains lives où il y a juste, où le youtubeur ou le streamer, ou vous l'appelez comme vous voulez, et il fait son live, il y a genre une trentaine de personnes dessus, voire plus, mais personne ne met de commentaires ou de messages dans le chat ou quoi que ce soit. Du coup, moi je me dis, c'est un petit peu con en fait, tu hein. Mais c'est vrai que du coup vous avez été vachement actif, hein, sur le chat, hein, tout simplement. Même si c'était souvent les mêmes personnes qui mettaient des messages, ça faisait quand même plaisir parce qu'il y avait plusieurs personnes différentes, ce qui me fait super plaisir. Parce que il y en a même un qui m'avait demandé, tu vas live jusqu'à quelle heure? Enfin, tu live jusqu'à quelle heure? Moi j'étais en mode, je sais pas du tout, tu vois, ça dépend de comment ça va se passer, tu vois, je ne sais pas. Mais franchement j'ai live jusqu'à 22h, 22h10 par là. Donc franchement ça fait un bon live de 1h50, c'était pas 2h, c'était 1h50. Mais bon, en tout cas ça m'a fait super plaisir de pouvoir refaire des lives, etc. Je sais pas pourquoi je commence à parler de ça alors que je n'étais pas du tout là-dessus à la base. Mais bon, du coup ouais, ça me fait super plaisir, en plus de ça que vous soyez nombreux. Ça m'a fait super plaisir, enfin que vous soyez nombreux, que vous soyez, oui, en quelque sorte nombreux, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir 8-9 personnes en continu sur le live, ou une connerie du genre, ou 6-7, ou bref, qu'il y ait quand même pas mal de personnes, enfin pas mal de personnes pour moi, c'est quand même pas mal, parce que en termes général, il y a pratiquement personne. C'est normal, parce que j'ai 633 abonnés, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. D'ailleurs, merci beaucoup à vous tous, parce que du coup, hier soir, on a gagné 4 abonnés, une cette nuit, ou un abonné cette nuit, ou une connerie du genre. Enfin bref, en tout cas, on s'est fait pas mal. Il y a eu pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne, donc bienvenue à vous également. Je tiens à le préciser. Bienvenue à vous, et puis voilà, quoi, tout simplement. Que veux-tu que je te dise de plus? Non, rigole. Mais vraiment, bienvenue à vous tous, et puis merci de vous être abonnés, hein, écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Enfin bref, bon, du coup, on a bientôt fini tout ça. Voilà, donc ça fera exactement une demi-heure, hein, ça fera plus d'une demi-heure. Là, on est à 29h30 sur mon chronomètre. Et du coup, ouais, on va rentrer le tracteur par la suite et puis on va s'arrêter là-dessus. Donc ça fera vraiment une petite vidéo d'une demi-heure. Hein. Enfin, une vidéo d'une demi-heure, parfaitement, nickel.
comme j'ai l'habitude de faire, sauf sur un Greenwich où je fais des vidéos un petit peu plus courtes. Je fais des vidéos de 20, 25, voire 30, mais pas plus. Parce que, bah, tout simplement, il faut que ce soit un petit peu différent, j'ai envie de te dire. Enfin, bref. Et voilà, on va rentrer le tracteur. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Comme zo. Parfait. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!